Alors bonjour à tous, je vais faire encore une petite addition au résumé que j'ai fait, parce que de l'information supplémentaire, parce que je révise mes notes et des choses que j'ai déjà dites et certaines qui sont complètement nouvelles. Alors commençons. Alors tous les chrétiens savent que le Seigneur a vraiment mis l'accent lors de son premier repas de Pâques. En fait, c'était ce qu'on appelle le repas de la Cène. C'était le premier repas. C'était ce repas-là qui a fait la première Pâque, si vous voulez. Puis, c'est en préparation de sa crucifixion. Il représentait donc l'agneau de Dieu parfait, et son sang devait couler pour pouvoir effacer tous les péchés. Pour vous donner un exemple, ce qu'on appelle de vivre sur la loi, où on parle de l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux pour enlever les péchés. Le sang était vraiment très, très important. Il y a une signification très importante. Mais le Seigneur représentait alors l'agneau totalement parfait. Et si son sang coulait, alors aucun sacrifice ne devait continuer. Ça devenait à ce moment-là inutile de sacrifier des animaux. Parce que pour toute personne qui s'était donnée ou qui accepte le Seigneur dans sa vie, à ce moment-là, il est purifié par le sang de l'agneau. Et alors, vos péchés sont couverts. Ah, le plus important que la Bible nous dit, c'est d'avoir une relation personnelle. C'est vraiment de connaître le Seigneur. Et les chrétiens, ceux qui m'écoutent, qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années, savent qu'ils ont vécu des choses complètement surnaturelles à plusieurs reprises dans leur vie. Ce qu'on va appeler des hasards quand on n'est pas avec le Seigneur, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucun hasard. Le Seigneur, va provoquer des situations totalement inimaginables. Et vous savez que c'est lui, il n'y a aucun hasard sous le Seigneur. Et donc, le Seigneur nous a dit, voici mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il a vraiment mis l'accent de faire cela en mémoire de lui. Évidemment, les catholiques, par exemple, vont aller à Pâques, on parle de coco de Pâques, de chocolat, des cadeaux. C'est toutes sortes de rituels qui fait que finalement, on n'en est pas du tout à une relation avec le Seigneur et c'est pas en mémoire de lui qu'on le fait, c'est en mémoire finalement des cocos de Pâques de l'année d'avant. Et d'autant plus que les catholiques vont fêter la Pâque à des dates qui n'ont rien à voir avec la vraie Pâque juive. Cette année, la Pâque juive commence le 26 mars, 6 jours après la venue de Barack Obama en sol israélien, comme je vous ai déjà expliqué. Maintenant, c'est la femme de quelqu'un qui m'écrit sous le nom de Mathieu Tétrault qui m'a envoyé une carte à mon attention. Cette carte-là, je vous la montre, c'est une carte Illuminati. Ceux qui connaissent bien les jeux de cartes Illuminati, je vais vous le montrer ici. Je crois que j'en ai un autre. Pas celle-ci, mais voilà, celle-là. Eh bien, on y voit ici un homme mulâtre, je dirais, et on voit qu'il fait une élocution, il y a un genre de speech avec un micro. On voit des formes de pyramides, soit inversées ou soit des vraies pyramides, selon ce que vous voyez. Et on voit ici, la résolution n'est pas tellement bonne, mais on voit ici qu'il y a vraiment une blessure à la tête. On voit des taches, c'est comme de l'encre. Par contre, au niveau de la tête, il semble y avoir une blessure, c'est plus foncé. Vraiment à la tête. Et c'est curieux parce que j'ai trouvé justement, je vais vous le montrer, c'est une carte assez récente qui s'appelle Backlash. Et Backlash, ce mot-là en anglais, a une signification vraiment intéressante. Alors ça parle d'un mouvement à contresens, si vous voulez, très violent, ou une réaction à quelque chose de façon très, très abrupte et violente. Vous voyez ici, a strong adverse reaction. Exactement, comme par exemple, vous avez un événement politique ou social en développement très, très rapide. Alors, vous pouvez tenir en mémoire cette image-là. De toute façon, on va y revenir. Et comme vous le savez, je vous ai parlé que Obama est invité à parler au Rabin Square.
exactement à l'endroit où le rabbin Yitzhak a fait un, si vous voulez, là, un speech au 4 novembre 1995. Et c'est là que cet homme-là, ce rabbin-là, avait été assassiné. Et l'information que j'ai actuellement, c'est que l'endroit où Obama va se tenir pour faire son élocution, son speech, si vous voulez, sur la paix, eh bien, c'est en avant d'une sculpture qui se retrouve justement dans le Rabin Square, ou la place du rabbin, si vous voulez. Et voici la sculpture en question. Cette sculpture-là s'appelle The Holocaust Memorial Sculpture. Et voyez-vous, évidemment, c'est à la mémoire de l'Holocauste qu'il y a eu dans les camps de la mort durant la Deuxième Guerre mondiale sur le peuple juif, ce massacre-là. Et si on regarde attentivement la forme, c'est assez extraordinaire de voir qu'il y a une similitude absolument fascinante. Et si on compare la carte des Illuminati, alors imaginez-vous un homme qui se tient et vous voyez les formes de pyramides ici, pyramides inversées, pyramides debout, et on voit vraiment des formes de pyramides derrière l'homme qui parle, qui est mulâtre et qui semble avoir été blessé à la tête. Maintenant, comme vous me connaissez, vous commencez à me connaître, vous allez dire, wow, mais c'est pas tout, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Cette chose-là, je voulais déjà montrer. Je crois que c'est dans la vidéo. Attendez, je vais voir si je l'ai. Je crois que c'est la vidéo 24 de ma série sur Planète X. Mais de toute manière, c'est relié à l'orbite en passant du destructeur. Mais ce que je vais vous montrer ici, ça va. C'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez lu plusieurs fois, les chrétiens en particulier, et ça va prendre maintenant une signification beaucoup plus profonde qui remplit la prophétie de Daniel, qui nous dit que dans les derniers jours, les secrets de ce livre vont être révélés, en parlant de la Bible, évidemment, car la connaissance augmentera. Eh bien, jamais j'avais pensé que ça pouvait être aussi fort que ça. Et ce que je vais vous montrer là, j'imagine que ça va vous faire quelque chose à vous aussi. Alors voilà, j'ai préparé des extraits. J'ai des problèmes avec mon ordinateur depuis que j'ai commencé ces vidéos-là. C'est quelque chose de nouveau. Il lag, comme on dit en bon français. Alors voilà. Okay, ça, c'est celui où il arrive sur le dos d'un âne. Ça, vous avez dans Jean 12. Jésus arrive sur le dos d'un âne 6 jours, pardon, avant la Pâque. Et au verset 14, on nous dit qu'il est sur le dos d'un âne. Ça, de toute façon, vous l'avez vu. Mais, bon, c'est ici. Dans Luc 22, les versets 7 à 12, on parle du signe du Verseau. L'âge de The Age of Aquarius et l'aube de l'âge de l'Aquarius a débuté le 21 décembre 2012 à 11h11 lorsque nous avons traversé l'équateur galactique. Ça, c'est bien important que vous notiez ça. Alors, écoutez bien attentivement ce que je vais vous montrer là, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, tous les chrétiens connaissent. Toute la question de la Pâque, c'est des choses que vous avez lues à plusieurs reprises. Mais il y a une prophétie dans le livre de Daniel qui nous dit, Daniel, scelle les lignes de ce livre jusqu'à la fin où tout sera révélé, car la connaissance augmentera. On a ça dans Daniel. Eh bien, j'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi vrai que maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Et le Seigneur dit spécifiquement, faites ceci en mémoire de moi. De briser le pain et pour son corps qui symbolise son corps et de boire le vin qui symbolise son sang. Et pourquoi le Seigneur nous aurait dit de faire ceci en mémoire de lui alors que il est vivant, il est avec vous, vous pouvez lui prier, il a une relation constante avec nous, les chrétiens, et à chaque jour,
À chaque minute, il est présent, on le prie, on lui parle. Donc, pourquoi faire quelque chose en mémoire de quelqu'un qui est vivant actuellement, au moment présent? Eh bien, c'est qu'il voulait qu'on revienne sur ce geste-là qu'il a posé. Évidemment, qui est significatif, parce que s'il ne s'était pas sacrifié comme l'agneau parfait, on était tous morts sans aucune chance de salut. Grâce à son sacrifice, je peux vous parler maintenant avec assurance que ceux qui se donnent au Seigneur, vous n'avez rien à craindre, votre salut est assuré. Et ceux que vous aimez, si vous parlez de la bonne nouvelle, s'ils acceptent le Seigneur, eh bien, eux aussi, leur salut est accepté. Mais le salut est possible pour toute chair, toute personne sur terre, sans exception. C'est à vous de choisir si vous voulez l'accepter ou pas. Donc, il a fait, vraiment, il a mis l'accent sur le fait qu'on devait faire ce geste en mémoire de lui. Et ce geste-là, la préparation du premier repas de Pâques, eh bien, c'est fait. On le voit dans Luc 22, les versets 7 à 12, où il est dit: Or, le jour des pains sans levain, auquel il fallait sacrifier l'agneau de Pâques, arriva. L'agneau de Pâques, c'est l'agneau le plus parfait qu'on pouvait trouver, qui était sacrifié à une heure bien précise. Et cette journée-là, il n'y a pas eu de sacrifice, sauf celui du Seigneur. Ça, je ne voudrais pas rentrer dans les détails pourquoi, mais c'est le Seigneur qui a été sacrifié, qui a été l'agneau sacrifié parfait. Alors, cette journée-là est arrivée. Le Seigneur voulait préparer la première Pâque. Il savait qu'il était pour être crucifié. Et alors, Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: Allez et apprêtez-nous l'agneau de Pâques afin que nous le mangions. Et les disciples lui dirent: Où veux-tu que nous l'apprêtions? Le Seigneur leur répond et il leur dit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le en la maison où il entrera. Bien, mesdames et messieurs, l'homme portant la cruche d'eau, eh bien, mon ordinateur est vraiment. Plus je vous avance dans cette série-là, plus j'ai des problèmes d'informatique, ça lag, j'ai pourtant pas grand-chose d'ouvert. Bon. C'est très récent, ces problèmes-là. Je ne vais pas recommencer la vidéo, je veux que vous voyez ça, la misère que j'ai à vous montrer les choses. Ça s'éteint, on dirait. Bon, je vais couper, je vais revenir. Donc, le verso, Aquarius en anglais, c'est un homme qui porte un pichet d'eau qui verse, alors qu'il verse l'eau. Alors, voyez-vous, ça c'est vraiment l'image du verso. Et le Seigneur, en demandant à ses disciples, la préparation du repas de Pâques, eh bien, lui dit qu'ils vont rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le en la maison où il entrera. Donc, il pointe carrément qu'au verso, il y a une maison dans laquelle les disciples doivent entrer. OK, c'est clair. Là, ici, on parle d'un texte qui s'adresse exclusivement aux gens qui ont une relation personnelle, un contact personnel avec le Seigneur, ses apôtres, personne d'autre. Il ne parle pas ni aux Juifs, ni. Parce que le contexte biblique est toujours important. Il ne s'adresse qu'uniquement à ses apôtres pour la préparation de la Pâque. Et il leur dit qu'au signe du Verseau, alors il faut qu'il entre dans une maison. Maintenant, ça dit, et dites au maître de la maison, le maître t'envoie dire. Où est le logis où je mangerai l'agneau de Pâques avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, haute, une chambre haute, parée, apprêtée là, l'agneau de Pâques. Eh bien, je crois, non seulement je crois, je suis convaincu
De toute manière, avec toutes les recherches, parce que ça, je vous montre juste une partie de mes recherches sur l'ère du Verseau. C'est clair, net et précis que c'est le retour du Seigneur durant l'ère du Verseau, durant l'aube de l'ère du Verseau. Et pour les occultes, pour les sociétés occultes, les Illuminati, nous sommes rentrés dans l'aube des the dawn of the age of Aquarius, l'aube de l'âge du Verseau. Nous sommes exactement rentrés là au 21 décembre 2012 à 11h11 précisément. Nous sommes maintenant là. Et le Seigneur, ce qu'il dit à ses apôtres, on va prendre un repas dans une salle haute ensemble. Et vous savez que l'enlèvement, le Seigneur vient chercher sa fiancée. Et c'est immédiatement, c'est la noce de l'agneau. C'est un grand repas qui est servi, mais pas à n'importe qui, pas aux Juifs qui ne croient pas au Seigneur, pas aux gens du monde qui ne croient pas au Seigneur. Seulement à ceux qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. Personnelle. Cherchez-le, cognez à sa porte. C'est une personne, c'est quelqu'un, et c'est votre meilleur ami, c'est votre Dieu, c'est votre Sauveur. Il a payé le prix pour vous. Il est mort pour vous. Alors, voyez, on nous parle d'une chambre haute. On est amené dans les airs à la rencontre du Seigneur pour le repas des noces de l'agneau. Est-ce que c'est pas fantastique? Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Je comprenais très bien cette signification-là de tous ces textes-là, mais ça n'a jamais pris autant de signification qu'au moment où je vous parle. Vous avez une carte des Illuminati où vous voyez un homme mulâtre qui se fait attaquer avec une blessure à la tête. Merci à la femme de Mathieu Tétrault et lui-même de m'avoir envoyé cette carte-là. J'ai trouvé, j'ai dit il y a quelque chose, j'ai été sur le site du Rabin Square et on voit vraiment le monument du Holocaust Memorial Monument. On voit vraiment des formes de pyramides imbriquées les unes dans les autres en arrière-plan. Et c'est l'endroit que je sais que Obama va faire son allocution bientôt, son speech là-bas. Alors voilà, c'était le. Il y a d'autres informations qui rentrent, mais je vais vous tenir au courant et je produis en même temps, en parallèle, une vidéo qui va résumer tous les points avec vraiment une trame sonore. Je vais essayer de faire de quoi de beaucoup plus esthétique, si vous voulez, et je vais le faire bilingue, comme ça, même les gens en anglais vont pouvoir connaître ces informations-là. Merci beaucoup. Alors, si vous me permettez de juste terminer mon idée sur l'ère du Verseau et l'eau vive, premièrement, si vous regardez le symbole du Verseau, regardez ici les vagues, mais ça fait pratiquement des pyramides. Et quand on regarde encore une fois la similitude avec la carte, voyez-vous, on a le symbole du Verseau. Et le symbole du Verseau, c'est deux lignes. Vous les voyez ici, deux lignes, deux lignes, deux lignes, le Verseau. Et ce signe du Verseau-là est exactement à la place du Rabin Square à Israël, en Israël. Alors, je vais terminer aussi mon idée, comme je vous dis, sur l'importance de l'eau dans la Bible et pour le Seigneur. Je vais vous donner ici des versets dans Jean, chapitre 4. Alors, durant son ministère sur la terre, Jésus passa en Samarie, où il rencontra une habitante de cet endroit. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui est une femme samaritaine, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait, pardon, donné de l'eau vive. Alors le Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que c'est assez clair? On sait qu'on connaissait tous ces versets-là, mais maintenant, la signification se soude, les pièces du puzzle s'assemblent.
Vous savez, l'Antichrist est en train de poser la dernière pierre sur dessus de la pyramide, mais il est dit spécifiquement dans la Bible que c'est le Seigneur qui est la pierre angulaire. Vous allez le voir dans Ésaïe 24 ou Ésaïe 17 et à d'autres endroits. J'ai déjà donné les versets, mais là, je ne les ai pas avec moi, mais c'est le Seigneur qui est la pierre angulaire. OK? Mais l'Antichrist veut copier, donc il fait sa pierre angulaire. Mais on voit ici que toutes les relations de l'eau, des choses qu'on connaissait, se rejoignent en un point comme une pierre angulaire maintenant. Et la pierre angulaire, qui il est, c'est vraiment le Seigneur. C'est vers lui qu'on va. Je vais vous en donner un autre maintenant. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors voyez-vous ici, puis je vais vous en donner une dernière, dans Apocalypse 21, 6. 21, 6, je l'ai ici. Alors, voyez-vous, 21, 6, on nous dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est pas assez extraordinaire à votre goût? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vous lis ça, j'en ai des frissons tout le corps. Maintenant, je transfère l'ensemble de ces informations-là à des réseaux anglophones comme The Lightgate. Je pense que ça va aller rejoindre aussi Larry Taylor, des blogs, différents blogs d'eschatologues aux États-Unis. Il faut que ces choses-là soient connues. Et je vous laisse aussi sur une très belle chanson qui m'a été envoyée par ma chère Sentinelle, aussi qui l'avait vue d'un site de chez Vic 1. Et écoutez, je vous salue tous les deux. Puis c'est une chanson qui m'interpelle extrêmement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous la fais écouter en terminaison de cette vidéo. Merci beaucoup à tous. Oh, ne
un temps comme celui-ci, je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Les jours tirent à leur fin. Voici.